Mon frère, vous avez mes vieux films te péter tout à l'heure. Je reviens en arrière. Mets en pratique la parole de Dieu, mon frère. Mets en pratique. Tu mets en pratique la parole de Dieu, mon frère. C'est plus efficace que les gens dans le monde. Que les gens dans le monde, mon frère et ma soeur. Il y a beaucoup de choses dans le monde. C'est bien vivre. Dieu nous donne libre l'arbitre choisir. Choisir notre destin. Choisir façon que nous vivons. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tout ce que tu fais dans la pratique, la parole de Dieu, c'est plus efficace que les choses que tu fais dans le monde. Là. Les choses dans le monde, des fois tu peux les décevoir. Et tout ce que tu as dit, vous êtes enseigné pas mal de choses, mon frère et ma soeur. Simplement, applique maintenant la parole de Dieu. Il faut appliquer tout ce que tu as reçu, mon frère et ma soeur. Il y a beaucoup de pasteurs, mon frère, dans le monde. Moi, je suis le pasteur bientôt atteint. J'irai atteint parce que Dieu m'a donné cette vie pour bénir, parce que où il y a le trafic de drogue, mon frère, c'est là qu'il faut aller combattre, parce que le diable, il est au milieu de nous. Il est au milieu, le diable. Il est quelque part dans la cité, le diable. Il faut combattre tous ces choses-là. Parce que les gens qui trafiquent des drogues, mon frère, c'est l'œuvre du diable, c'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas mis les choses comme ça dans l'esprit des hommes. Dieu n'a pas mis ces choses dans les pensées des hommes, mon frère. C'est les hommes qui l'ont fait, écoute tout ça. Parce que comme je vous ai déjà enseigné cette chose, l'argent, il a le pouvoir sur l'homme. Il n'a pas le pouvoir sur Dieu. L'or, tout ça, il appartient à Dieu. Tant que Dieu le Seigneur, l'argent, il n'a pas le pouvoir sur le Seigneur. Le monde, il marche comme il est, jusqu'à présent. Tant que simplement, ta vie, mets en pratique la parole de Dieu. Tu sais, la parole de Dieu dans ta vie, les premiers, ta vie, c'est simple. Tu mets le premier Dieu dans ta vie, au centre de ta vie. Dieu, il vient en toi. Dieu te donne la grâce. Dieu te donne la bénédiction. C'est jamais. Tu fais le Seigneur qui passait le premier dans ta vie. C'est jamais tu fais passer Dieu en dernier. Avant que tu vas aller en bas dernier, tu vas aller faire ça. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu veux que tu vas trouver devant Dieu? Dieu aussi, tu vas faire passer en dernier. Parce que il va te montrer, tu es sur terre, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il va t'interroger le Seigneur, mon frère et ma soeur. Donc, tout ce que tu veux, fais le Seigneur passer dans ta vie le premier. En centre de ta vie, ça signifie quoi, pasteur? Mets-le en pratique dans ta parole. Chaque jour où tu vis, chaque jour où tu vas, mets-le en pratique. La parole de Dieu, c'est très important, mon frère. Tu écoutes la parole de Dieu, tu vis plus longtemps. Tu veux écouter les gens dans le monde, là, mon frère et ma soeur, tu t'en vas plus tôt. Je préfère écouter la parole de Dieu qu'écouter les gens dans le monde. Les gens dans le monde, qu'est-ce qu'ils vont me donner, moi? À part la souffrance, à part quoi on appelle là, qu'il entraîne dans les débats, dans les choses que ce n'est pas intéressant. Ça signifie que je préfère mettre la parole de Dieu en pratique, les promets, et Dieu est le centre de ma vie. Il est dans le centre de ma vie, le Seigneur, parce que je fais passer Dieu avant tout. Tu fais passer le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, les promets, ta vie va changer, mon frère, parce que Christ, il est en toi. Christ, il est en toi. Ça signifie quoi? Tu es une nouvelle créature devant Dieu, parce que tu as changé la façon que tu vives. Moi-même, je suis passé par là. C'est une témoignage que vous rendez, mon frère et ma soeur. J'ai fait passer le monde avant dans ma vie. J'étais aveugle dans le monde. Aujourd'hui, Dieu, j'ai fait passer Dieu dans ma vie le premier. Parce que j'ai laissé le monde de l'autre côté. J'ai enfoncé dans le royaume de Dieu. Ma vie a changé. Parce que moi-même, j'étais dans le monde, mon frère et ma soeur. J'ai écouté n'importe quoi dans le monde. J'ai écouté le monde, j'étais dans les boîtes. J'ai fait n'importe quoi, mon frère et ma soeur. J'étais aveugle à cause de ce monde-là. Parce que Satan nous rend aveugles. Avec ce monde qu'on vit là, Satan nous aveugle parce que tu ne veux pas que tu avances dans ta vie. Tu ne veux pas que tu avances dans la parole de Dieu. Tu ne veux pas que tu avances dans l'esprit de Dieu, dans la connaissance, la parole de Dieu, la connaissance, le Saint-Esprit. Et pourtant, le Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué à voir la parole de Dieu. Tu fais passer le Christ dans ta vie, le promets. Tu mets Dieu en centre de ta vie, le promets, mon frère, ma soeur. Ta vie a changé. Ce n'est pas compliqué parce que. Afin de devenir un homme de Dieu, mon frère et ma soeur, j'écoutais le monde, j'ai plongé dans le monde. C'est dans le monde pour aller plonger. Je n'ai pas écouté parce que j'ai fait n'importe quoi dans le monde, mon frère. Aujourd'hui, j'ai passé Dieu dans ma vie. Il est centre de ma vie 24 heures 24. C'est sur ce dos que je me lève. C'est Dieu dans ma vie. Je me couche, c'est Dieu dans ma vie. Je mange, c'est Dieu dans ma vie. Je pense, c'est Dieu dans ma vie. Parce que Jésus. Ma façon de vivre, c'est Dieu qui m'a Jésus qui a changé ma vie. C'est pas cette gratitude, mon frère. Tu as changé ta vie parce que tu sais pourquoi. Oui, parce que pourquoi? Non, parce que des gens dans le monde, ils pensent d'abord à eux. Ils pensent pas à toi. Si jamais je n'étais pas passé dans le monde avant, je n'ai pas goûté les choses dans le monde, je ne comprends pas. Je préfère passer dans le monde pour comprendre avant que je donne les conseils aux autres. C'était dans le monde, mon frère et ma soeur. J'ai écouté n'importe quoi. Aujourd'hui, pourtant, j'étais dans le monde. Qu'est-ce que j'ai gagné, moi? J'ai gagné la misère. J'ai gagné pas quoi? Aujourd'hui, j'ai goûté le fruit de la parole de Dieu.
ma vie a transformé. Parce que cette vie, tout ce que tu veux, même ton enfant est malade, Dieu il peut te soigner. Ça par la grâce de Dieu, mon frère, que si jamais tu fais passer Dieu dans le centre de ta vie, les premiers. Parce que Dieu, il fait le miracle dans la vie des hommes. Il fait le miracle dans la vie des hommes. Parce que Dieu, si jamais tu mets au centre de ta vie change. Même ton enfant est handicapé, même ton enfant est paralysé, même ton enfant, il est sourd. Mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur, il peut faire le miracle dans ta vie. Le Seigneur, il peut faire tout ce que tu veux. Il est le médecin, mon frère. Il est venu ici, comme je vous ai dit, vous appréciez cette parole de Dieu. Les aveugles, ils marchent. Les boiteux, ils marchent. Ils voient, mon frère. Mon frère, ma soeur. Les aveugles, ils voient, les boiteux, ils marchent. Pardonne-moi ma façon, parce que j'aime tellement la façon de ce truc-là. J'aime beaucoup apprécier cette parole de Dieu. Car les gens innocents, les gens qui ne croient pas, les gens qui sont dans le monde, ils sont perdus dans le monde, ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils ne croient plus en rien parce qu'ils préfèrent le monde, ils font passer le monde avant. Et pourtant, l'amour de Jésus-Christ, tu veux passer le premier, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ta vie a changé. Parce que, comme je vous disais, même ton enfant, il est aveugle, le Seigneur, il peut changer la façon de vivre parce que Dieu, c'est Dieu et toi, c'est toi. C'était dans le monde avant, mon frère. Fais passer Dieu dans le centre de ta vie. Tu fais passer le Seigneur le premier dans ta vie. Dieu, il va te changer autour de toi. Même les gens essaient de faire n'importe quoi dans ta vie. Dieu, il te ramène toujours au milieu de nous. Nous, on est là. On est les bergers, nous, mon frère, ma soeur. On est les bergers. Vous êtes les brebis qui garés. Qu'est-ce que c'est les brebis de garés? C'est les saints qui ne croient pas la parole de Dieu. C'est les saints qui complètement ils sont aveugles dans le monde. Ils préfèrent qu'ils croient à Satan dans le monde que vivre avec la parole de Dieu. Parce qu'on est là pour apporter les brebis qui est garés. Les boucs, c'est qui les boucs, mon frère, ma soeur? C'est les gens dans le monde, les boucs. Les boucs, c'est des malins. Ils t'entirent simplement l'eau. Ils sont comme les loups. Il est aveugle, il déguise au milieu de temps. Les boucs, mon frère, ma soeur, c'est les aveugles dans le monde. Et nous, on a les bergers, on a rassemblé les brebis garées. Les brebis garées, mon frère, c'est les gens qui ne croient pas la parole de Dieu. Les gens qui sont complètement déçus. Oui, ça, non. Et pourtant, la parole de Dieu, mon frère, c'est un truc à vivre. Si jamais tu goûtes les fruits du Seigneur, comme je l'ai goûté, mon frère, la première, la deuxième, la troisième fois, mon frère, ta vie, il y a un miracle. Il faut aller écouter les conneries, écouter les bêtises des autres. Il faut aller écouter la musique des vulgaires. Pardonne-moi ma façon de prêcher la parole de Dieu, mon frère, parce que j'aime la franchise. Écouter ces musiques, il dit n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux écouter ça? Tu rends enrichi l'autre? C'est tout. La musique dans le monde, il dit des gros mots, il dit n'importe quoi. Et c'est la parole de Dieu. Goûte-toi les fruits du Seigneur. Goûte-toi la musique, la parole de Dieu. Mon frère, ton oreille, ça va changer. Ton attitude, il change. Parce que avec le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie.